retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous montrer après, donc après que j'aurai fini de blablater, voilà, un mini tuto pour vous montrer comment on peut faire un fond de carte d'une autre façon, voilà. On va pas utiliser de peinture, on va pas utiliser d'aquarelle, on va pas, voilà. Je vous dis pas, vous allez le voir après. C'est une technique qui va très vite, que vous pouvez faire de jolis résultats sur vos cartes. Il vous faut presque rien, ça vous coûtera pour ainsi dire rien pour faire vos fonds de cartes. Alors moi je l'ai déjà filmé, bien sûr, comment, avant de blablater, voilà. Donc vous ne ferez pas attention, j'ai fait une connerie, mais bon, rien de grave, j'ai fait une bêtise, mais bon, je ne voulais pas refilmer, j'ai dit bon, on va laisser, hein. Ce sera la connerie, ça fera rigoler, donc de toute façon, qui ne fait pas de bêtises, même moi, ben, voilà, j'en fais, je ne suis pas Dieu, tout le monde fait des bêtises. Et donc, j'ai fait une petite bêtise sur la carte, mais qui n'entache pas le tuto. Voilà, le tuto, lui, est bien expliqué. Et voilà, donc là, il n'y a pas de souci. C'est juste, vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Mais bon, du coup, j'ai laissé, j'ai dit, je ne vais pas refaire. Je laisse comme tel quel. Et puis, le principe, c'était que vous voyez... comment on fait, voilà. Donc, en même temps, ça vous fera rigoler, hein. Et bah, j'espère que ça va vous plaire. Je suis en train d'essayer un autre tuto. Là, j'ai pas encore réussi. C'est une autre manière aussi de faire des fonds de cartes. Mais j'ai pas encore réussi à fond ma technique. Donc je travaille encore dessus et dès que c'est bon je vous le montre, parce que je ne vais pas vous montrer un tuto à moitié ou à moitié raté, ça ne servira à rien. Donc dès que j'ai bien réussi ce tuto, ben, je vous le montrerai. De toute façon en ce moment vous savez, hein, je rate pas mal de choses, c'est Gaston Lagaffe, voilà, moi je suis Gaston Lagaffe en ce moment. Là ce matin j'ai fait, ben, je me suis occupée de mes oiseaux, j'ai cassé la baignoire de mes oiseaux, voilà, oups, elle m'a lâché des mains, elle est tombée par terre, il y avait de l'eau partout, la baignoire en miettes, qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtises, je ne fais que des bêtises en ce moment, donc Gaston Lagaffe c'est moi. Bon, c'est rien, il y a plus grave dans la vie, hein. J'ai eu plus grave il y a quelques, il y a 15 jours, 3 semaines. Donc une baignoire de cassé d'oiseaux, c'est rien. J'irai en rechercher une demain. Ils prendront leur bain demain, puis c'est tout. Donc voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Je suis énervée aujourd'hui, vous avez remarqué. Hein. Donc voilà, allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Comme ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et comme je vais vous dire à la fin, n'hésitez pas à essayer. N'hésitez pas non plus à m'envoyer le résultat. Soit par email, vous me faites une photo et vous me l'envoyez par email ou bien vous me l'envoyez sur mon Facebook. Hein. Comme ça, ben, je verrai ce que vous avez fait. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse regarder et j'arrête de blablater. Voilà, allez, gros bisous. Je vous fais déjà encore un gros bisou à la fin, mais vaut mieux que je vous en fasse deux, c'est mieux. Allez, je vous laisse regarder. Bon visionnage. Je vous expliquais, on va faire un tuto avec serviette en papier. Donc, on va la dédoubler d'abord.
Alors, il me faut une carte. Bon, j'ai pris une 15-15. Hein. Voilà. De la colle en spray. Voilà, donc on dédouble. Donc, quand vous la dédoublez, il vous reste ce papier-là. Vous pouvez le garder hein, pour faire quelque chose avec. Donc, voilà ce que vous avez. Donc, mettez bien une protection en dessous. On secoue, on secoue, on secoue. Donc, celle-là, elle vient d'action. Hein. Hop. Voilà. Et je vais poser. Ouf. Je prends un petit sopalin. Est-ce que j'en ai sous la main? Non, j'en ai pas. Super. Bon, eh ben, je vais prendre du petit papier serviette. Voilà, ça va me servir. Pour enlever les petites bulles. Donc voilà. Hop, ça colle. Donc là, je peux enlever la protection maintenant. Et on va couper ce qui dépasse. Voilà, c'est déjà presque sec. Hein. Donc ça sèche très très vite. Ah mince, j'ai fait une tâche. J'avais de... Ah, regardez ce que j'avais. Bon, c'est rien. Enfin, vous avez compris le principe. J'ai pas fait attention. J'avais de l'encre sur les mains. Ça devait être sur la bombe. Mince. Bon. Donc, voilà. Vous avez un décor sur votre carte. Bon, regardez pas. Hein. Du coup, j'en ai foutu partout. Et maintenant, vous pouvez bah, la décorer. Bah, du coup, là, je ne vais pas la décorer parce que sinon, mon décor sera foutu. Après, il ne vous reste plus qu'à mettre des décors. Vous pouvez remettre en 3D des petites étiquettes pour marquer le joyeux anniversaire, les bonnes fêtes, tout ce que vous souhaitez. Ah, ça m'énerve parce que j'ai ça sur les doigts maintenant. Et vous voyez, ça ne traverse pas. Et vous avez un décor sur votre carte, toute simple. Vous n'avez plus qu'à faire du 3D dessus après. Donc, ça vous fait un fond de carte avec une serviette en papier. Voilà. Bon, ben celle-là, par contre, moins que j'arrive à la camoufler l'encre que j'ai mis dessus. Voilà, Miss Catastrophe. Mais c'est bon, le principe c'était ça, c'était de vous montrer comment on pouvait faire un fond de carte avec une serviette en papier. Voilà, avec donc la bombe, tout simplement. On peut le faire aussi avec de la colle de serviettage, hein. Mais bon, c'est un petit peu plus long. Là, ça va, c'est super rapide. Donc, il y a, c'est comment?
Au moins, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de colle sur les doigts, c'est sec déjà. Vous voyez, j'ai déjà les mains dessus. Que la colle à serviettage, il faut un petit peu plus de temps pour que ça sèche et ça va détremper un peu plus votre carton. Tandis que là, il n'y a aucun problème de détrempage. Voilà. Bon, donc faites pas attention aux taches. C'est les aléas, ça, de... Je sais pas où j'étais me foutre cette encre. Mais bon, c'est rien. C'est pas un problème. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce petit mini tuto vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas si vous me dites à me dire si vous a, si vous l'avez refait. Donc, celles qui me connaissent par Facebook ou si vous en avez fait, ben, envoyez-les-moi par email ou par mon Facebook, comme ça je verrai. Et donc, voilà, une façon de décorer, de faire des fonds de cartes avant de faire vos décorations en 3D dessus. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, comme là, regardez, j'ai encore une serviette, par exemple, sur le thème de l'automne. J'en ai plein, j'ai des coccinelles, j'ai des sur Noël, en ce moment c'est Noël. Donc voilà, et vous voyez maintenant ça ne bouge plus. Maintenant l'encre est sec sur mes mains, donc ça bouge plus du tout. Donc voilà, une nouvelle façon de faire un fond de carte. Allez, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros gros bisous à tous. À bientôt. Bye bye, bisous bisous.